Le rôle du psychologue dans un service d'urgence, c'est pour accompagner. Hein. On est vraiment là dans un rôle d'accompagnement des patients hein, quand ils sont menaçants, agressifs, essayer de comprendre, faire tiers en fait avec le paramédical ou avec le médecin. La violence, elle est très différente. Il n'y a pas un type de violence, il y a des violences dans les services d'urgence. Les types de réactions sont variables en fonction des personnes. De leur âge, de leur ancienneté dans le service. Et on va avoir des attitudes, des comportements soit de stress adapté, c'est-à-dire qu'il va y avoir des états de frayeur, des réactions de tremblement, de sudation, une hyper-vigilance aux situations. Et puis on peut rencontrer des situations de stress dépassé, où là, il y a un état de sidération et c'est plus sérieux et donc il est très important de le prendre en compte et puis d'orienter les agents vers des services spécialisés. Et je vous dis, notre collègue psychologue du personnel qui est tout à fait à même de les recevoir. Je crois que ce qui compte après une agression, comme on en parlait, c'est qu'il y ait une prise en charge au plus près de l'événement et avec différents interlocuteurs. Maintenant, pour l'aspect psy, autant je suis convaincue de l'aide que ça peut apporter, autant il est capital de respecter le souhait de la personne, et que si elle n'est pas prête et qu'elle n'en est pas là de venir élaborer son histoire et réfléchir au sens de cet événement, c'est quand la personne le pourra et le souhaitera. C'est intéressant de parler de violence et d'agression parce qu'on peut parler de différents types de violence et d'agression. Là, il y a l'agression dont on parlait classiquement, je dirais, d'un usager sur un soignant qui se présente dans un service. Moi, je travaille aussi avec la violence quotidienne qui est celle de la confrontation avec la mort, la confrontation avec la maladie. Voilà. Donc toute cette usure et cette violence finalement qui est adressée aux soignants et qui peuvent choisir aussi de venir travailler ici. Alors c'est peut-être moins événementiel ou moins, on en parle peut-être moins, mais c'est une violence à part entière qui est intéressante et qui, à mon sens, est tout à fait nécessaire à travailler. Ça fait penser à une forme de goutte à goutte. Hein, c'est vraiment ces micro-traumatismes accumulés. Et de difficultés à intervenir comme on le souhaiterait, et puis de pouvoir jusqu'où est-ce qu'on peut supporter la mort, la souffrance. Quand les gens viennent ici, c'est une manière de faire de la prévention, parce qu'on pourrait dire prendre soin de soi, c'est arriver après à prendre soin des autres. Donc c'est peut-être un peu facile de le dire comme ça, mais bon, accepter cette démarche auprès d'un psy, c'est venir réfléchir au sens de l'événement, à son rapport à l'autre, dans un cadre qui est une rupture par rapport à l'institution, parce qu'ici on a le temps, parce qu'ici on peut dire les émotions, parce qu'ici on peut élaborer les choses.